Je te laisse lancer ton pari sur le nombre de morts. Sur ce chapitre-là, je serais pas complètement étonné d'avoir 4 chiffres. Le son est encore fort là, non? J'ai l'impression que ça remonte le son à chaque fois. Tu me diras au niveau du volume si ça va. 450! Et moi je crois qu'il faut plus partir dans les 1000, mais ok. Ça me fait plaisir. Ok. Sachant que je suis pas chaud en plus, hein. Ouah, les bâtards! Moi, ça m'étonnerait pas d'avoir 4 chiffres à la fin. Sachant que, juste pour le exact, il faudra que j'en enlève un. Parce que j'avais déjà un mort, une mort, avant de commencer. C'est tellement dur. Mais ça me fait plaisir que tu me fasses confiance, hein. Ah, c'est tellement chaud! Faut aller vite, quoi, en plus. Je vais faire 450 sur le premier. Ouais, je parlais du chapitre, je parlais pas juste du premier niveau. Oh putain, je pensais que c'était pas passé. Je pensais que j'avais mangé les pics et du coup, j'ai give up mental. Ça passe! Ah, ça va être costaud. Merde. Merde. Oh là là! Si tu veux, on peut dire qu'au troisième écran, t'as le droit de changer ton pronostic. Là, on est au deuxième. Yo, j'ai dit 1000 hier. Alors. Ouais, j'avais retenu. Et du coup, je sais pas si t'as entendu ce que je disais. C'est que du coup Icar il est ok, tu viens d'arriver. Bienvenue du coup. En gros, je me suis dit que ça pourrait être marrant sur les jeux. À chaque fois, j'essaierai de lancer des petits défis comme ça si j'en trouve. Et si tu tombes juste, tu as le droit à un badge VIP pendant un mois. Alors pour lui, on va dire que je pense que y aura le droit à une petite marge d'erreur, quoi. Et du coup, Icar il est passé VIP parce que sur deux chapitres à la suite, y a un coup il avait dit 225, j'étais mort 224 fois, et le coup d'après il avait dit 200, j'étais mort 201 fois. Ok, j'ai eu un lag, clairement, je sais pas si vous l'avez vu à votre écran, c'était un bonheur. Du coup, il a complètement mérité son statut de VIP. Deux fois un prêt à la suite. Sachant qu'il connaît pas le jeu en plus. Ah, vous l'avez vu aussi. C'est dommage parce que j'allais réussir. Alors, merde, j'ai pas bien vu la fin. Ok, il faut que je saute par-dessus là, et ok, j'ai compris. Je suis pas tombé très loin les deux dernières fois hier, non. Les deux fois hier. Alors, tu as fait 185, sachant que tu avais dit 200. Et 648, 600. Il y a quand même un écart. On va voir, on va voir. Pour l'instant... Putain! On va voir. Et donc là, Icar, je lui ai dit que toi t'étais mort à peu près 600 fois. Et que du coup, on pourrait complètement partir sur du 4 chiffres pour celui-là. Il a dit qu'il me faisait confiance et il a dit 450. Je lui ai dit au troisième, il avait jusqu'au troisième écran pour changer son pronostic une fois qu'il aurait vu les levels.
Je vais être sympa hein, parce que 450 ça me paraît plus que de l'optimisme et de la confiance. Ah, mais à chaque fois le petit pas à gauche là, j'ai fait deux fois de suite le même. ça ah ouais. Sachant que pour info, Icar, à chaque fois. Merde, j'étais au-dessus. Enfin, au-dessus en termes de nombre de morts. Hein. Que lui. Et que j'ai toujours une manette analogique. Merde! Quel con! J'étais tellement habitué à louper le premier saut. Je passerai mes stats si tu passes avec une vraie manette. Mais je sais pas ce qu'il y a dans le commerce comme manette que tu considères comme étant bien. Parce qu'en soi, pour la plupart des jeux auxquels je joue, typiquement Rocket League, la manette de Xbox 3.6, son ergonomie, je la kiffe quoi. C'est clairement ma préférée. Quel con, je pensais faire comme au premier. D'ailleurs, je pensais que j'allais sauter comme ça, devoir rodage dessus. Sur la manette, je préfère utiliser la croix classique. Mais après, la manette de Xbox One, elle est très bien. Mais clairement pas pour la croix en fait. Parce que la croix, elle est vraiment genre juste la croix, il n'y a rien sur le côté et tout ça. Ouais, voilà. Ouais, non, mais on est d'accord. Je vois pas quoi, comment elles sont les. Comment il est le truc de la PS4. La croix de la PS4. Faudrait que je regarde. Parce que là, la croix de la manette de Xbox One, les croix de la manette de la Xbox One, elles sont clairement pas utilisables. Quoi? Ah! J'avais pas vu, il y a un bloc. Ok. Ouais, ça je sais que c'est inversé. Mais je veux dire, je sais pas niveau. Merde, ok, je crois que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire pas ça. Pour Messenger, je l'ai fait sur PC. Car pas sur PS4. Avec un Fight Pattern, avec Zoroastic. Ouais, mais. Parce que là, en gros, bah attends, je vais te montrer pour ce que tu peux voir. Le problème, c'est que la croix, elle a pas les diagonales. Est très embêtant. Ah, tout comme le fait de se retrouver ici. Ah, si, ok, j'ai peut-être compris. Fuck. Ah, ouais, mais moi ça me lacère les doigts hein, quand j'utilise ça. C'est une question d'habitude après. Ouah putain l'énergie, j'avais oublié. Ah je sais pas, moi ça me défonce les doigts. Bon allez, je me concentre, on a compris. C'est facile. Ah mais non. Ok, je crois que j'ai compris. Je sais pas si je vais avoir assez d'énergie, non. Digital, c'est compromettant. Autant s'en débarrasser. Ouais, après voilà, faut avoir de la corne quoi. Oh bien. Bonjour. Ah ouais, ça va être quelque chose celui-là. Oh fuck! Je vais augmenter un peu du coup.
Ok, donc du coup t'es sur du 800, ça va, ça reste fer. T'avais le droit jusqu'à ce moment-là, mais oui, clairement 450. Tu vois, rien que sur les premiers levels, le temps que ça m'a pris, je pense que t'as été bien optimiste. C'est tellement dur ça, je trouve. J'ai tellement de mal avec ça. Pourquoi je dash pas? J'approuve ton honnêteté de pas faire une nonate. C'est vrai que Nonote, là, son petit 599, bah, qu'il a fait encore plus perdre au final, hein. Oh putain, c'est pas passé. Je vais quand même continuer pour voir un peu ce que je suis censé faire. Ok, je reviens là. Après, ok. Oh là là! Ah ouais, il va y avoir du décès, mais en masse. Qui veut du décès en masse? Oh le con, je vais être en retard, je pense. Ouais, ça passe! Je suis assez content, je pensais que je mettrais plus de temps à le passer, celui-là, je dois bien l'admettre. Ah! Ouais, il y a les Seaside, c'est ça? Mauvaise nouvelle, c'est que sur les 4 derniers, il y en a 3 où je suis mort plus souvent. Oh merde! Oh, what? Attends. Hein? Ah, ok. Attends, je suis censé pouvoir le rattraper derrière ou quoi? Je crois, hein. Je crois que dans l'idée, faut que... Oh là là! Je te trouve en forme ce soir. Bah, je vais être en forme jusqu'à ce que le jeu me fatigue, hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le vent, mais non! De mon côté, il y a trois niveaux dans tout le jeu où je suis mort moins de 100 fois, ce sont tous des seaside. Ah ouais? Parce que tu peux pas mourir ou parce que ça passe bien? Ah, faut dash tout droit, je pense que c'est mieux. Ok, j'essaye d'écomévier. Parce que peu importe vos pronostics, moi mon objectif sera toujours du coup hein, de faire le moins possible. Oh! Shit! Ah bon? Ah putain, faut que je m'accroche au truc et que je remonte dessus. Par le haut avec la deuxième bulle. Je me demande pourquoi je suis mort autant de fois en le revoyant. Ah bah enfin, c'est comme tous les jeux, hein, c'est comme Hollow Knight. Merde, une fois que tu l'as fait, t'es en mode mais merde, pourquoi je suis mort autant de fois alors que les boss sont simples, c'est parce que... Faut le temps de comprendre le truc quoi. Une fois que tu l'as compris, c'est évidemment beaucoup plus simple. Il y aura une fille de puterie plus loin. Ah oui, merde, oh non. Non, putain, j'ai pas le droit de perdre un point de vie comme ça. À cause de ce vent de mort là. Stop, stop, en plus. Putain, bon bah du coup je peux pas lire, hein. Je suis obligé de jouer. On ne me laisse pas lire le chat. Oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Oh merde.
Si je peux faire pause sinon en fait. Ah putain mais... une fille de puterie. Oui, tu veux dire pourquoi est-ce que t'es mort 700 fois? Parce que là pour l'instant ce niveau-là il passe plutôt bien. Ouais, c'est qu'il doit y en avoir un plus loin de bien bâtard quoi. Vent de Semar. Après, mine de rien, les morts ça grimpe quand même vite, hein, même quand on s'en rend pas trop compte. Oh, quoique, ça passe. Ou alors le Padawan a dépassé le maître, gonne de coulant. J'aime bien les faire une fois sans regarder ces trucs là. Merde. Ah, je l'ai pas rattrapé. Je fais de la merde là. Putain, faut que je passe de... faut que je le dépasse et que je passe de l'autre côté. Je vais jeter un oeil du coup. J'imagine que le petit truc à gauche nous indique que... le petit trou qu'il y a à gauche nous indique qu'il y a des trucs cachés à gauche là. Que je vais pas aller chercher, hein, clairement. Ah ouais, c'est long, d'accord. Donc là, faut que je m'accroche là. Là, faut que je saute et je pense qu'il faut que je dash par-dessus pour m'accrocher sur la gauche. Sinon, je vais crever. Et là, ah, lui, il va continuer tout droit, mais faut que j'aille à gauche. Je m'accroche là. Ah, et c'est... ok. Une fois que je suis là, je peux le lâcher et faut sortir, quoi. Ce genre de screen me redonne espoir. Toujours un plaisir d'avoir votre soutien. Wouah, ok. Je pensais que ça passait tout du long. Je suis quand même assez fier du petit truc que j'ai fait. mais je pensais que ça passait pour la suite. J'étais obligé de me faire surprendre, je pense. La question c'est, est-ce que ce que j'ai passé... j'ai réussi à le repasser à chaque fois. Et non, hein. Comme toujours, on est sur un petit peu de régression. Ah oui, merde. Fallait que je passe de l'autre côté, genre vitesse grand V. Ok, ouais, je comprends que ça te redonne espoir. Ah bah oui, parce qu'en plus on peut pas s'accrocher à l'infini. Lol, ça va être drôle. Ça va être très drôle. Ok, je vais tenter de faire de la sauvegarde de points de vie. Oh non! J'avais oublié. Ouais, faut rester statique le plus possible, ouais, mais... allez, genre même là, ne pas sauter peut-être, effectivement. Quoique au début, on s'en fout. Ouais, mais là, je suis... là, faut que je passe par-dessus, quoi. Ah! Je vais essayer de le dépasser pour voir si je peux m'économiser un saut. Non, parce que le seul truc que j'ai vu me ferait quand même utiliser un saut derrière. Putain! Si je peux me permettre. Putain, faut que j'arrête de m'accrocher là à chaque fois. Faut que je lâche ce bouton. Sors le popcorn. Je t'en ramène le sel. C'est
C'est facile pourtant. Il suffit de pas mourir. Et d'arriver à la fin. Deux règles si simples. Ouais. Encore que ça va, hein. Je pense que je suis quand même pas trop salé de manière générale. Franchement, par rapport à ce que m'inflige le jeu, je pense que je me contiens plutôt pas trop mal. Putain, mais non, mais... Là, l'énergie qui va me faire glisser, ça va me faire péter un plomb. Hein. Je crois que c'est ce qui va me... Parce que c'est déjà dur. Mais en plus, si tu y arrives, eh bah, t'as plus d'énergie. LOL. On est drôle, hein. Côté développeur, on aime ça, les bonnes blagues. Et on aime pas ces joueurs. Ah ou alors là il faut que je lui ressaute. Attends. Oh, je viens de réaliser ce qui m'attend là. Merde. Perso je le ferai pas céleste avec mes soucis cardio tout récents, je vais éviter. Bah après ça dépend quel genre de joueur tu es hein. Tu vois, regarde, moi là. Ça fait déjà un paquet de fois que je suis mort et j'ai toujours pas. Même pas commencé à saler. Tout va bien. Ah putain, faut aller vite là. Pas le temps. Zéro manette cassée, zéro écran cassé. Zéro souris cassée. J'ai cassé des claviers, mais plus parce que je renversais des trucs dessus. Ah, vraiment falloir opti les trajectoires là. C'est comme combien d'écrans as-tu déjà cassé en y balançant ta manette. Non, je. Quand je m'énerve, éventuellement, je tape sur le bureau, mais jamais avec mon matériel. J'ai un pote qui est comme ça. Ah oui, tu demandais à Icar. Putain. Et j'avoue que ce niveau-là, je pense que je vais rester un petit moment. Hein. Ce truc d'énergie là, ça me... J'ai hésité tout à l'heure à mettre en place un petit compteur de mort où j'aurais juste appuyé sur un bouton sur mon téléphone pour l'augmenter. Mais en fait je me suis dit que c'était quand même plus marrant de pas savoir et d'avoir la réponse à la fin. Merde. Enfin, moi je trouve ça plus marrant. D'ailleurs, à force, le mien craque quand j'appuie dessus. Non, bah, non, oui. Ouais, non, c'est clair. Bah, moi, le seul truc où je me sens un peu truandé, parfois, c'est sur les diagonales, mais... C'est même pas le jeu, c'est la manette, quoi. Je me doute que le jeu il interprète bien ce que j'ai envoyé, mais que voilà. Oui, non, mais c'est ni le joueur ni la manette. Enfin, en soi, dans un sens, moi je considère que c'est un peu la manette, du fait que je sais que je décale de 10 degrés en fait. Par rapport à l'axe up, par exemple, je suis un petit peu à droite de 10 degrés et. Je trouve ça dommage que t'aies rien pour faire un étalonnage en fait. Et ça je m'en étais rendu compte sur Beat Trip Runner. Où de temps en temps tu dois suivre la manette en faisant un rond et j'étais toujours décalé. Et je trouve qu'ils pourraient faire un truc d'étalonnage où ils te disent appuyer en haut, appuyer en bas. Comme ça tu le fais sans regarder ta manette. Comme quand t'es en train de jouer.
sinon j'ai cassé une manette. Sinon là c'est de l'usure, une mauvaise manip. Avec la tasse de café. Ah bah la tasse de café on connaît bien ça. Mais sur Windows là, il pourrait faire un petit logiciel d'étalonnage. Je pense que j'étais pas trop mal là. Bah j'ai pas trouvé. En fait déjà tu vois, un truc qui est ridicule, c'est que un truc que je trouve vraiment débile sur les manettes de Xbox 360, c'est que t'as rien pour t'indiquer le joueur, le numéro que t'es, player 1, player 2, player 3, t'as pas de couleur, t'as rien. Et t'as pas de logiciel non plus pour savoir quelle manette est connectée, machin. Ce qui fait que, de temps en temps, quand tu veux changer de manette sur un jeu, parce que genre y'en a une qui a plus de batterie, ou t'as pris la mauvaise, c'est celle qui a bu le café justement, et bah t'es obligé parfois de reboot ton PC en fait, parce qu'une fois qu'il y en a une qui est synchro avec, et bah c'est mort. Et si c'est un jeu qui demande que le P1 c'est P1, bah voilà. Monster Hunter World. J'étais un joueur console pendant longtemps. Moi j'ai toujours été joueur PC par contre. Et j'ai été beaucoup un joueur clavier souris et c'est petit à petit à certains jeux, bah typiquement celui-là, qui m'ont fait passer à la manette quoi. Mais vu qu'au début les seules manettes que j'avais c'était des manettes pérave à 10 balles là, genre des copies de PlayStation 4, sachant que de base l'ergonomie de la manette de PS4 je l'aime pas. Ça fait que les expériences que j'avais à la manette, j'aimais pas du tout. Faut vraiment que j'arrive à m'accrocher en haut du truc à chaque fois quoi. Oh, une bouffée de la place avec le PC. Oui c'est vrai que si t'as déjà une télé, la console te prend moins de place, c'est clair. Alors que l'ordinateur il faut... Merde. L'ordinateur il faut avoir un bureau quoi. On est bien d'accord. Et tu sais ce que je disais quand même par rapport au fait que je crève aussi pas mal parce que je suis moins concentré parce que je suis en stream. Là clairement il y a des erreurs que je fais, c'est juste parce que je me souviens plus trop du level et tout ça. Ah putain. Là est-ce qu'il faut que je repasse encore à droite? Ça joue hein. Vu que je suis surpassé pour les jeux, je n'achète plus que les exclus PS4. Et sinon c'est des jeux pour ma femme ou la Switch. Ouais bah ouais. Mais là ça m'énerve, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, Icar, si jamais, je sais pas combien il coûte, mais jette-y un oeil, il est sorti pour l'instant que sur PS4, ça s'appelle Vane, V-A-N-E, qui a l'air très cool, très beau. C'est un jeu où en gros t'es un enfant qui peut se transformer en corbeau, j'ai pas compris toute l'histoire, mais graphiquement il a l'air assez ouf. Pas ouf dans le sens triple 1. Hein. Là t'aurais pu s'user un jump, un wall jump. Ah, un wall jump à droite. Ah ok. Ah je croyais qu'il fallait que je refasse un saut. Merde. Que je refasse un saut encore de l'autre côté de la plateforme qui monte. Quoi un wall jump de l'autre côté? Ah oui donc oui. Là j'aurais pu encore en fait. Du coup j'ai cru que tu disais autre chose, du coup j'ai voulu tester cette autre chose, mais effectivement il n'est pas possible puisque sur la droite il y a des pics tout du long. Mais le coup d'avant j'ai pas pu faire le wall jump parce que j'étais tout juste en train de glisser avant de pouvoir faire le wall jump. Putain. Faut pas aller trop vite là, sinon la plateforme elle est pas encore là. J'attends un tout petit peu trop. Ouais mais pour passer d'un côté à l'autre, il faut quand même que je sois en haut quoi. Il faut quand même que je sois en haut de l'édifice. Merde. Putain, j'oublie de réfléchir. C'est bien, c'est que du coup, vu que j'ai l'impression de redécouvrir le niveau à chaque fois là. Genre ça, j'arrête pas de wall jump sur la droite sans aucune raison. Ouah, ça va être chaud là. J'ai bouffé beaucoup trop d'énergie.
Bon. Hop. Voilà, on fait ça. Là, on va là. Et là, j'ai bouffé beaucoup trop d'énergie. En plus, je suis en retard. Parce que bon, à un moment, faut y aller quand même. Là, j'achète plus rien jusqu'à mars, au moins. Ah oui. Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Mais bon, si un jour t'as l'occasion, mets-le de l'autre côté. Enfin, regarde ce que c'est. Là, c'est cool. Donc là, on va wall jump, enfin, on va jump jusque là-bas en dashant, retomber sur le trampoline. Dash dans la bulle. La bulle into en haut à gauche, into en haut tout droit. Le vent nous amène là-bas. On retombe dans la bulle. Non, bon. Je vais bien voir. Bien joué. Bon, je vais quand même continuer histoire de voir ce que ça peut donner par là. Ok, ça donne que c'est chaud. Ah, et puis faut pas que j'oublie le timing avec ce truc là. Et si j'allais sur la petite plateforme? Non, je vais attendre le timing. Alors là maintenant, je pars maintenant, ça donne quoi? Ok, c'est bien. Merde, c'est pas ce que je voulais faire exactement. Fuck. Je vais revenir sur le trampoline, bon c'était pas trop mal. C'est bien dommage. Est-ce que je peux y retourner? Pas comme ça en tout cas. Je pense que j'aurais pu. Oh non! Ah, je l'ai esquivé. C'était beau. Ah, j'ai voulu grid. Ah, on les connaît bien les hôpitaux comme ça. Ah non, nous, dans la ville d'où je venais, c'était la clinique qui te faisait ça. Il y a plein de monde qui est rentré pour une appendicite qui est ressorti avec. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc classique de complication d'appendicite là. Apparemment c'était leur petit truc, sachant que c'était un truc qu'ils opéraient pas, donc fallait que tu changes de ville après pour te faire opérer. Ouais c'est ça, péritonite. Oh! Le fun quoi! Bon. Faut que j'arrête d'être débile. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaye. Oh merde, j'ai hésité. Faut faire safe parce qu'à chaque fois je me perds sinon. Non! Ah, j'ai été bête, j'ai été bête. Pourtant, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête. Putain! Péritonite du pouce. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Oh! Idiot!
Ah mais ce vent, insupportable. Je suis pas parti au bon moment. Je vais essayer de rattraper ça. Ça passe. Pareil, je suis pas parti au bon moment. En plus, j'ai oublié. J'ai oublié de vivre. Non, j'ai oublié un truc en haut. Ok. Oui! Voilà! C'est moi, c'est moi qui le pif. Donc, clac, clac. Là, je m'imagine qu'il faut que je dash là, que je m'accroche. Il va être costaud celui-là. Je sais pas du tout ce que c'est la suite. Ah, faut le redash direct. Y a pas le temps de réfléchir, pas le temps de niaiser. Ah, il y avait un truc pour s'accrocher. J'avais pas fait gaffe. Bon, mauvais. Ah, j'ai dash. Ah, je vais attendre que ça repop. Je suis pas encore mort. Voilà. Putain. Fun fact, il y a une phrase spéciale à la fin du premier niveau. Si tu le finis sans jamais dasher. Oui. Oui, oui, oui. Fun fact, je pense que j'irai pas jusque là. Ah non, putain, faut que je m'accroche là. Ok. Mais je vais trop loin. C'est quoi ce bordel? What? Ok. Quelle bande de sales bâtards. Oh, c'est pas du jeu. Je l'avais touché la bubule. Ah, faut vraiment que... Ouais. Dès que j'ai fait mon dash, faut que je blinde mon joystick à gauche. Ça part tellement vite les bulles quoi, t'as pas le temps de réfléchir à ton orientation, faut l'avoir déjà fait quoi. Yes. Ah, ils sont sympas, ils ont mis un petit truc pour pas qu'on se fasse souffler direct. Ok, j'avais envie qu'il y ait un truc caché ici, mais pas du tout. Pas mal. Et ouais, t'as vu? Pas mal. Ah, ça doit être un dash vers le haut qu'il faut faire du coup, j'imagine. Ok, ça c'est un dash qu'il faut pas faire du tout. Non. C'est plus rattrapable. Je suis con, j'aurais dû rester accroché. Au moins pour voir ce qu'il y avait à faire derrière. La diagonale. Oh, j'avais pas besoin de dash. Oh, t'en accroches, faut aller vite.
Yes. Yes. Ah, on a bien aimé ça aussi. Cool. Oui, je devais pas dasher, oui. Ouais, c'est ce que j'entendais par là. Merci. Ah, ce screen m'a coûté très cher. J'ai très envie de passer par en haut, mais... Si, ok, ça se fait. Du coup, j'imagine que la complexité n'est pas encore là. Ok, c'est que là, déjà, j'aurais mieux fait d'être là. La petite chute de merde. Ok, donc, en haut, en bas. Oh, comme j'y ai cru là, j'ai vu la fin là. Non, fallait d'abord que je ressaute dessus. Attends, c'est pas fait, hein. Yes, ça va. Ah, c'est le bord que j'ai accroché? Je pense, vu que j'avais pas mon dash. Relève-toi, relève-toi. Je ne suis pas digne de cela. Oh, les bâtards! Ah, oh, les bâtards! Ok. Il est joli celui-là aussi. Je sais pas si les trucs du coup vaut mieux qu'ils soient un peu. Vaut mieux pas qu'ils soient un petit peu désynchro. En même temps, on va faire comme on peut clairement. Ah, je... Non, il faut d'abord que je retourne sur le deuxième. Je suis précipité. Oh, les morts bêtes! Le premier, ça serait pas mal qu'il soit un peu en avance, j'ai l'impression. Celui de tout en haut. Regarde pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui tient la manette. Tu veux que je joue comme ça? Attends, déjà j'affiche les contrôles. Ah oui, mais ça pourrait être quelqu'un sur le canapé. Merde, je suis pas allé assez à droite. Parce qu'en plus de ça, alors c'est diffusé sur ma télé derrière. Je sais pas si vous voyez. Mais y'a personne sur le canapé, je t'assure. Je vais devoir mettre une caméra sur ma manette carrément, quoi. Putain! Ça, c'est dans les trucs bien frustrants de ce jeu, hein. C'est quand tu sais ce que tu dois faire que, en soi, c'est pas si difficile que ça. Mais que tout l'enchaînement. Par contre, là je me suis mal accroché. C'est compliqué. En plus, c'était pas mal les plateformes. Je pense. C'est pas ouf, mais ça peut le faire. Sauf si je me mets du mauvais côté. Cette fois-ci, c'est la bonne. Y'a pas une fois où quand je vais dire cette fois-ci c'est la bonne où ça va marcher. Alors que quand Icar, Yaku s'y me motivait hier, ça marchait. Bonjour, je voudrais arrêter les morts idiotes, histoire d'essayer de faire un bon score, s'il vous plaît.
Donc là, on fait 2. Hop, on s'accroche. Ah mais non, on ne peut pas juste s'accrocher. Ah ouais, je maintiens la gâchette quasiment tout le temps. Hein. Comme ça, s'il y a un échec, au moins je m'accroche direct. Merde, je suis con. Ah ouais. Ouais, je l'accroche tout le temps. Ouais. C'est pour ça que de temps en temps, je m'accroche alors que je voudrais pas aussi. Ok, c'est pas trop mal, merde, il me fait... Ah, faut aller vite, hein. Ah, j'ai essayé de grid. Je vérifie un truc dans mon stock de vidéos que j'ai pour un montage de CS que j'ai jamais fait. Ah, on connaît ça. Là, j'essaye de faire les cuts assez régulièrement parce que sinon je sais que je les ferai jamais. Parce que vu que les VOD elles sont gardées que 15 jours sur Twitch, ce qui est Slay the Spire et Rocket League, je les cut pas parce que je trouve pas ça intéressant à remettre. Mais tout ce qui est Hollow Knight, Tsiosk, Portal, Céleste, j'ai fait l'effort de remettre toutes les vidéos. Putain, trop lent. J'ai fait l'effort de remettre tout, de cut toutes les VOD en fichier d'à peu près une heure pour les mettre sur YouTube au cas où. Par principe, histoire de les avoir quelque part. Allez! Oh là là, ça passe! J'avais pas vu ça! Je regardais pas la fin depuis tout à l'heure. Non, tu t'en sors bien, c'est sur les C-Side. C'est sur les C-Side que t'es mort 700 et quelques fois. Et en fait, je suis pas. J'ai pas dépassé le maître. C'est ça que t'es en train de me dire? Quel con. Putain, j'ai fait de la merde. Allez, ça se rattrape. Ah, même si c'est chaud. Yes. Okay.